Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série d'achat-revente que vous attendez tant. C'est une série où je vais faire de l'achat-revente tout simplement. Et donc l'objectif, comme on l'a vu dans le titre de la vidéo, ça va être d'aller chercher Paul Pogba qui coûte actuellement dans les 450 000 crédits je crois. Donc vraiment un très gros joueur qu'on va essayer d'aller chercher. La dernière je l'avais fait avec Zlatan Ibrahimovic, j'avais réussi. Donc on va très bien, on va voir ce que ça va donner. Donc pour commencer, donc j'ai décidé d'utiliser la technique pack bronze. Donc en fait cette technique je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de toutes les vidéos de toute façon de cette série. Je vais vous expliquer les techniques, j'essayerai de faire une technique par vidéo. On verra bien ce que, pour l'instant j'ai tourné que le premier épisode, donc on verra pour la suite. Donc j'ai commencé avec 5000 crédits et ce que j'ai fait tout simplement c'est donc on achète des packs bronze les amis à 400 crédits, juste à 400 crédits, et vous revendez tout ce qui est joueur consommable à part les entraînements gardiens ou des entraînements et à part les entraînements gardiens vous revendez tout et vous revendez les entraîneurs des fois quand c'est des entraîneurs rares etc, toutes les cartes rares vous pouvez les revendre aussi. Donc c'est une technique qui marche très bien que j'utilise depuis 2-3 FIFA et qui me permet qui va vous permettre d'augmenter petit à petit vos crédits. Voilà, ça vous rapporte pas beaucoup énormément mais voilà ça vous permet en 2-3 jours de tripler vos crédits, donc c'est vraiment assez intéressant. Surtout que si vous avez de la chance, après ça reste des packs, donc si vous avez de la chance vous tomberez sur des cartes soins qui se revendent assez cher ou des cartes form équipe ou des très gros joueurs comme par exemple Hermer Mort Akifenwa qui se vendent assez cher, donc vous pouvez les revendre. Et puis faites attention des fois avec des défis création d'équipe, d'un coup il y a des joueurs que vous listez qui augmentent. C'est ce qui s'est passé dans cet épisode avec les Norvégiens, parce que j'avais tourné à l'époque du Squad Builder Challenge de Janssen. Donc les Norvégiens avaient tous augmenté et du coup tous mes Norvégiens que j'avais listés à 200 crédits étaient tous partis. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est assez intéressant de faire cette équipe parce que elle marche très très bien. Comme vous pouvez le voir là tout de suite, j'ai tout bien accéléré, j'ai ouvert tous les crédits que je pouvais avec des packs. Et après je me suis mis à lister en premier les consommables parce que c'est ce qui rapporte le plus. Ensuite j'ai listé quelques entraîneurs et là j'ai listé donc tous les joueurs. Donc n'hésitez pas à lister tous les joueurs de votre club et puis vous verrez à la fin de la vidéo quand tout est listé, quand les joueurs ne partent pas vous pouvez les mettre en vente rapide, ce qui vous permet de récupérer quelques crédits. Donc voilà, c'est une technique très simple qui est très facile à utiliser. Donc pour ce premier épisode les amis de ma série Road to Pogba, n'hésitez pas à lâcher un gros like, objectif 50 likes sur cette vidéo. J'ai confiance en vous les gars, c'est une grosse série sur la chaîne qui va prendre pas mal de temps, donc j'espère que ça va vous plaire. Comme vous pouvez le voir là, donc j'ai listé des maillots etc. Donc tout ça j'ai fait quelques relances, j'ai dû en faire 4-5 et vous pouvez voir que j'ai dû faire 2-3 pour relancer. J'ai vendu 24 éléments, ce qui va nous permettre de récupérer 5000 crédits et donc d'ouvrir tout simplement encore des packs comme vous l'avez vu en vendant un quart de la liste de votre liste, et vous récupérez déjà 5000 crédits. Donc pour vous dire que ça marche, cette technique marche très bien. Si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à la faire pour débuter. Vous pouvez voir là on achète les packs, comme vous pouvez le voir les frais, vous pouvez obtenir des packs gratuits etc. Donc c'est vraiment assez intéressant ce système. Donc rien après, j'espère que cette série va vous plaire aussi, je tenais à vous le dire. C'est Paul Pogba, on va essayer d'aller chercher, moi j'en ai besoin dans mon grosse équipe. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai confiance en vous les amis pour l'acheter, un max de likes, à commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook ou Twitter. Facebook, Twitter ou Insta. Sur Twitter j'ai un concours encore les amis, n'hésitez pas à aller dessus, vous pouvez gagner 25€. Donc en tout cas, comme vous l'avez vu là, on finit notre deuxième relance, notre deuxième rachat de pack. Et puis ce qui nous a permis de remplir encore notre club de joueurs de cartes bronze, histoire de se faire encore plus de crédits. Donc j'avais décidé de lister des joueurs et donc vous pouvez voir que j'ai quelques cartes qui sont parties encore et j'ai déjà récupéré 6000 crédits parce que j'ai vendu plein d'autres joueurs. Et après on peut aller voir dans mon club, après vous stockez tous vos joueurs dans le club les amis, puis vous les relistez au fur et à mesure. Quand il y a une dizaine qui partent, et vous en remettez d'autres les amis. C'est la technique, cette technique marche super bien, j'ai rien à vous dire, elle est parfaite pour débuter. Même une fois je me rappelle j'avais fait avec 5000 crédits, j'avais pris une bonne après-midi à acheter que des packs à 40 000, à 400 crédits avec 100 000 crédits. Résultat, en 3 jours je me suis fait 200 000 crédits. Donc pour vous dire, même avec des grosses sommes ça marche très très bien. Plus vous mettez de crédits dans ces techniques,
plus vous irez loin, plus vous gagnerez des crédits. Comme vous pouvez le voir là, on va finir avec 19 000 crédits cet épisode. Voilà, j'ai listé plein, j'ai vendu plein de joueurs, mais entre temps, voilà, il y a des joueurs aussi que j'ai vendu, par exemple, que je pouvais, j'ai listé par la pile son web, et sans faire exprès, bah, je les ai enlevés, donc j'ai vraiment vendu beaucoup de joueurs. Et pour, comme je vous l'avais dit à la fin de la vidéo, j'ai décidé de tout vendre rapide, histoire de recommencer un deuxième épisode avec une nouvelle technique d'achat-revente. J'espère qu'en tout cas, ce premier épisode vous a plu, les amis. Si c'est pas acheté un gros like, comme je vous l'ai dit, j'ai eu 50 likes, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, parce que cette série va aller loin, je vous garantis. On va essayer d'aller chercher Paul Pogba avant Noël. C'était Yaya, prochaine vous, j'espère que ça vous a plu. Bye tout le monde, les amis.